Hello, I'm Andrew. Et salut, c'est Serena. And we are the organisers of Games à la Carte. If you don't know what Games à la Carte is, it's a social event we've been running for about 2 years. Games à la Carte combines the French language and board games, the concept being to play board games while speaking French at a different level depending on your knowledge of the language. Et jusqu'à présent, on a organisé 3 sessions qui ont toutes eu beaucoup de succès. La dernière remonte à 1 an maintenant, déjà. Et on était super impatients à l'idée de vous revoir, jusqu'à ce que... A 9th person has tested positive for coronavirus in the UK. Coronavirus. 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 Et donc on a eu l'idée de faire cette vidéo. Andrew me prête sa chaîne YouTube pour qu'on puisse s'adresser à tous ceux qui sont familiers avec Games à la Carte ou plus largement qui habitent à Newcastle ou dans la région. Mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous n'êtes pas du coin, elle pourra peut-être quand même vous intéresser cette vidéo étant donné qu'on va parler jeux de société et langue étrangère. Anyway, wherever you live, it seems we're going to have to wait a while before we can all gather around a table again. So while you're waiting for the opportunity to occur, why not recreate Games à la Carte at home? Parce que quand on y pense, il y a un bon nombre de jeux qu'on peut jouer dans une autre langue, même lorsqu'on n'en possède que quelques bases. Et si vous avez la chance de vivre avec quelqu'un et que ce quelqu'un veut bien jouer avec vous, même un tout petit peu, eh bien cette vidéo pourra vous proposer quelques idées de jeux. So this video is primarily for people who have attended Games à la Carte, but it's also for people looking for ideas of games to play while practicing another language. And all the games we're going to talk about in this video have 3 things in common. Ils se jouent rapidement. They require very few skills. Et ils peuvent s'acheter en boutique ou en ligne si vous préférez vous la jouer plus safe. We're going to start with the Cockroach series of games by publisher Dreimagia. We're going to start with the Cockroach series of games by Dreimagia. There are 4 games in this collection, but we're going to talk about 2 of them specifically, Cockroach Poker and Cockroach Soup. Let's start with my favourite, Cockroach Soup. Cockroach Poker is actually my favourite, but the script says Cockroach Soup is my favourite. Pour pouvoir jouer à ce jeu, vous n'aurez besoin de connaître que 4 mots. Carotte, piment, champignon et poireau. Les joueurs commencent en ayant chacun un paquet de cartes face cachée. Vous devrez dire le mot qu'il y a sur la carte au moment même où vous la révélez. Looks pretty easy, right? But it gets harder because the game forbids you to repeat any word the previous player just said. That means if I just said champignon, Serena won't be allowed to say champignon, even if she plays the champignon card. Instead, she'll have to say piment, poireau or carotte instead. Confused yet? Well, it gets worse. Parce que pour rendre ça encore plus compliqué, certaines cartes vous interdisent même de dire certains mots. Par exemple, cette carte nous interdit de dire le mot poireau à partir de maintenant. On met donc ce tas de cartes sur le côté et on continue avec cette nouvelle règle. Maintenant, si vous jouez la carte poireau, vous devrez faire un bruit à la place. Non, non, pas ce bruit-là. Non. Voilà, là, c'est le bon bruit. Mais rappelez-vous que vous ne devez toujours pas répéter ce que le joueur précédent a dit. Donc, si cette situation se produit, vous devrez faire un autre bruit. Non, 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 toujours pas ce bruit-là, non. When you draw a new forbidden card, the game continues on top of the original pile, cancelling the previously banned word poireau. Now the word carotte is the forbidden word. Si un joueur transgresse ses règles, soit en disant un mot interdit, soit en répétant le même mot que le joueur précédent, ou soit parce qu'il met trop de temps à dire le mot, il devra prendre toutes les cartes jouées et les mettre dans sa propre pile, le but étant de se débarrasser de toutes ses cartes. Le premier qui réussit à faire ça est le gagnant. The second game is called Cockroach Poker, and as you can probably guess, this is a bluffing game. And a game in which you learn very charming and very useful vocabulary words like cafard, punaise, araignée, rat, crapaud, mouche, chauve-souris, scorpion. Ah, what a beautiful language.
Les joueurs commencent avec un certain nombre de cartes en main. Je commence en jouant une carte face cachée et je dois affirmer quelque chose sur cette carte. Ça peut être la vérité ou alors un bluff. C'est une mouche. Maintenant, Andrew a deux options. Me croire ou m'accuser de bluffer. S'il a raison, je perds et je dois garder la carte face retournée. S'il a tort, c'est lui qui prend la carte face retournée. La partie se poursuit comme ça en collectant des vermines à chaque fois que vous perdez. Le premier qui collecte 5 cartes de la même vermine a perdu. Mais ce nombre peut varier si vous êtes à plus de 2 joueurs. And if you're worried about forgetting the rules or if you fancy playing in another language, both Cockroach Poker and Cockroach Soup have rulebooks in multiple languages. And now we're going to talk about a game that has become more and more popular over the past few years. It's Dobble, which you might have already seen in many different shops. Dobble is principally about knowing a bunch of random words and being able to say them quickly, quicker than the other players actually. Il y a plusieurs modes de jeu, mais on va mentionner celui qui, moi, à moi, me paraît le plus simple. C'est un mode qui s'appelle la tour. Prenez toutes les cartes et disposez-les au milieu de la table, face retournée. Prenez chacun une carte, face retournée aussi, et la partie commence. So you must match the images on your cards with the images on the pile. When you find a match, say the word the quickest and take the card off the pile first. Keep going this way until there are no more cards. And the winner is whoever collects most of the cards. And this is just one game mode among others. There are actually 4 others in the rulebook that you can play. Pour pouvoir jouer à ce jeu efficacement, il va falloir connaître beaucoup de mots de vocabulaire, je vous le cache pas. Le jeu en contient une cinquantaine, mais j'ai dressé une liste de leurs traductions en français et vous pouvez trouver un lien dans la description de cette vidéo pour accéder à cette liste. Alors voilà mon petit conseil en tant que prof de langue. Commencez par regarder la totalité de la liste juste pour vérifier les mots que vous connaissez déjà. Ensuite, lancez une partie. Et si en cours de partie vous ne connaissez pas un mot, dites-le en anglais sur le moment, interrompez la partie, vérifiez la traduction et reprenez. Et normalement, au fur et à mesure des parties, vous allez développer une base de vocabulaire de plus en plus grande et de plus en plus solide, et c'est comme ça qu'on apprend. And if you have any doubts about pronunciation, feel free to work on it a little bit between each game. If you're lucky enough to be playing with a native or an advanced speaker, they'll be able to help you. Otherwise, ask your friend Google Translate. Just type in the word, ask for the translation, and click on the audio function. Igloo, dinosaur, arbre, goutte. Ma vie est nulle. Si le concept de Dobble vous plaît, le jeu suivant devrait vous plaire aussi. Il s'agit de taco, chat, chèvre, fromage, pizza, et non, c'est pas ma liste de courses, c'est bel et bien un jeu. Pour jouer à ce jeu, il n'y aura que 5 mots à apprendre, vous l'aurez deviné, taco, chat, chèvre, fromage, pizza. Vous devrez mémoriser cette liste exactement dans cet ordre, c'est très important pour le déroulement du jeu. Si vous avez peur d'oublier, gardez la boîte en évidence et ça vous aidera. From now, you have to say these exact words in this exact order at the same time as you play the card. Naturally, most of the time the cards won't match what you're saying, but when they do, you have to quickly slap the pile. The last player to slap gets all of the cards. The objective, of course, is to get rid of all of your cards. Il y a 3 autres cartes incluses dans le jeu, mais qui ne figurent pas dans la liste. Il y a le gorille, le narval et le castor. Si une de ces cartes apparaît, non seulement vous allez devoir taper les cartes, mais en plus, vous allez devoir faire des mouvements bien spécifiques. Si c'est le castor qui apparaît, cognez la table, puis tapez les cartes. Si c'est le gorille qui apparaît, cognez-vous le poitrail et tapez les cartes. Si c'est le narval qui apparaît, formez un triangle au-dessus de votre tête, puis tapez les cartes. Donc là encore, si vous êtes trop lent, vous devrez récupérer les cartes de la pile. Et donc du coup, il vaudrait mieux que vous restiez bien réveillé pendant le jeu. Now you can only buy this game in English, but you can easily adapt the vocabulary to French. Actually, why not increase the difficulty by switching between different languages during the game? Why not, for example, switch back to English? Taco. Cat. Goat. Cheese. Pizza. Or Italian? Taco. Gatto. Capla. Formaggio. Pizza. Or Spanish? Taco. Gatto. Cabla. Queso. Pizza. German? Taco. Katsu. Ziege. Käse. Pizza. Dothraki? Après tout, il n'est pas obligé de se limiter au français, hein.
même de se limiter à une langue qui existe tout court. Le dernier jeu de notre sélection, c'est Who Did It, ou alors Qui a fait, dans la version française. Pour celui-ci, vous allez devoir mémoriser 6 noms d'animaux domestiques. Le lapin, le chat, le hamster, le perroquet, le poisson et la tortue. En plus de ça, vous allez devoir dire 2 petites phrases qui vous serviront à accuser les autres joueurs et à faire avancer le jeu. C'est pas mon chat qui a fait ça, c'est le perroquet de quelqu'un. Maintenant que vous savez ça, la partie peut commencer. Voilà comment ça se passe. First, you need to take all of the pets of the same color. Somebody starts by excusing his pet, putting the corresponding card on the table and accusing somebody else's pet. C'est pas mon poisson qui a fait ça, c'était le lapin. Les autres joueurs devront jouer la carte de l'animal accusé le plus vite possible. Le joueur le plus rapide posera sa carte pour l'excuser, puis accusera l'animal de quelqu'un d'autre. C'est pas mon lapin qui a fait ça, c'est la tortue de quelqu'un. And again, the players will have to play their card as quick as possible to excuse their pet. And the game will carry on that way for a while, until eventually players will have lost many of their cards. The game can finish in one of two ways. Either you're the last player with cards, which makes your pet the guilty one, or you accuse somebody else's pet, but nobody can play the card you called. And this again means that your pet is the guilty pet. And if that's the case, lucky you, you get a poo. And the first player to get 3 poos loses the entire game. En temps normal, tous ces jeux sont trouvables en ville, dans des magasins tels que The Traveling Man, qui se trouve sur Gorgeous Street, et Mr. Wolf, qui lui, se trouve sur All Eden Square. Et si je cite ces deux-là en particulier, c'est pas seulement parce que j'achète mes jeux chez eux, mais aussi parce que ce sont eux qui m'ont conseillé et qui me conseillent encore les jeux qu'on vous a proposés ici et qu'on propose dans Games à la Carte. Donc, big up à vous, l'homme qui voyage et Monsieur Lou. You can also find some of these games and many others at the City Library in Newcastle. Évidemment, on aurait pu parler de beaucoup d'autres jeux. On aurait pu mentionner les jeux de plateau, tels que Ticket to Ride, qui est très facile à pratiquer en français, mais aurait demandé une vidéo entière pour en expliquer les règles. Alors, ça c'est Paris-Marseille, ça c'est 14 points pour moi. T'as composté ton billet ? Non. Eh ben moi 150 points alors mon gars. We could also have talked about the storytelling games, more stimulating from a creative perspective, but not really appropriate for beginners because you need more advanced language skills to play them. Et donc à la fin, les Nations Unies déclarent que la confiture est vivante. Avec du beurre. Puis on aurait aussi pu parler des jeux de société pour les tout-petits, où le niveau de difficulté est très bas et qui peuvent parfaitement s'adapter en français si vous voulez initier vos plus jeunes enfants à la langue. Anyway, with this small selection, you should already be able to practice the language for some time while waiting for the next Games à la Carte. We'd also like to use this opportunity to thank the Language Centre for helping us organise the whole thing through communication and promoting the event. So thank you very much, the Language Centre. Et pour ceux qui habitent dans le Nord-Est anglais, on espère vous revoir très bientôt pour la prochaine session de Games à la Carte. On vous tient au jus. Et pour ceux qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, on espère que ça vous a inspiré à jouer à des jeux tout en pratiquant des langues étrangères. Bon, ici, on a surtout parlé du français, mais comme vous l'aurez compris, vous pouvez pratiquer ces jeux avec n'importe quelle autre langue. Le plus important, c'est de jouer et apprendre. With that, thank you very much for watching. À la prochaine.